vrai, je serais déjà tombé. Ah, quoique non, ça va pas mal. Non, là, ça va, franchement, ça va. Mais imagine, ça casse. Tu tombes. Ouais, bah là, par contre, tu tombes, ça, c'est sûr. T'as mal. Ah, mais c'est là où il y avait les... Les deux... Ouais, les deux... Monsieur fortement gentil. Les deux mecs déformes. Il te parlait mal. Sur le tas de sang vers la porte de sortie. Our gods are always powered, our way follows the glow. Ok, alors si je traduis bien, c'est Dieu... en gros, tu guides toujours, je suis le son. Ouais, je sais pas, je comprends l'anglais, mais je suis nul à la traduction de l'anglais, tu trouves la logique. T'inquiète. En gros, God, je sais que c'est Dieu. Always, je sais que c'est toujours. Après, t'as aussi des phrases compliquées à traduire. Parce ouais, que t'as des phrases. Cette phrase-là, elle est assez compliquée à traduire en. Mais. Ah! Ok. Merci pour la douche gratuite. Enfin, si on peut appeler ça comme une douche. Est-ce qu'il y a pas genre... Ah ah ah. Une nouvelle pile. Ah ah. Dolé dolé. Dolé dolé. Massacre. Massacre. Dans le prochain Outlast, en fait, c'est des plus rechargeables. Faut trouver une prise pour faire les recharges. Et après, faut que t'attendes, tu sais. Faut que t'attendes que ça recharge. Ah sais. Yes. Je sais même pas s'il faudra les recharger dans le prochain, on va savoir, en fait. Là, ce sera pas une caméra, c'est les... Ce sera un casque sur la tête. Ah bon? Enfin, ouais, c'est casque à vision nocturne. Ah, les genres de casque militaire, tu parles? Ouais, ouais, ah, enfin... Dossier. Ouais, alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, Hélène, le docteur... Snackner. Tu veux que je le passe avec un accent allemand? Évite, ouais, sinon on va avoir des problèmes. Même si à tout péter, on a 3 vues sur la vidéo, mais on va avoir des problèmes. Ah, mais j'ai... Ah, mais Non! Eh, j'ai pas dit que... Ah non! Ah non! Ah, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit! J'ai pas dit les Allemands, c'est une nazie. Ah non! Ah nia! Je voulais faire du cliché de l'Allemand nazi, c'est pas pareil! J'ai un peu tapé dans le micro. Alors, le docteur Snackner m'a fourni vos coordonnées et je vous contacte au sujet d'un annonçon du programme artistique. Mon patient Martin Archimbaud. Putain, oh les noms, mec. Ah oui, énormément progressé dans sa thérapie grâce à la peinture avec les doigts. Dans la semaine qui a suivi l'arrêt du programme artistique, c'est. Quoi, ces assertions. Oh, oh putain, attends. Écoutez, démerdez-vous pour traduire le mot. Hein. À propos de l'existence d'un appel suprême, on considérablement augmenté. Je vous en prie, laissez cet homme peindre avec les doigts. J'imagine le mec de 40 ans qui peint avec les doigts. Mais... Il fait un dessin sur les murs. Il fait un dessin. Il fait un dessin, regarde. Les quelques dollars économisés en tube de gouache ne sont rien à côté du coup de la. De la close-upping. Bon, ça, je pense, ça doit être un beau gros médoc violence. Hein. J'ai du mal à comprendre la logique qui a justifié cette décision, à moins que Murkoff ne souhaite que nos patients se lignent de la réalité. Me tenir au courant. Merci de me tenir au courant. Docteur Neil Wolfram Aria. Bon. Attends, les avec le sang qui disent. Je suis étrangement fasciné par ce mec là. Oh putain, oh, j'aime pas pour moi. Non, je l'ai vu. Ok, tout va bien se passer. Inactive, ok. Ça m'a les pendre derrière vous, un cerveau poursuivi. Y'a pas ce qui te stresse, hein, ce qui te stresse pas. Faut rajouter au milieu. Attends, je vais me faire poursuivre là, je le sens, mais ça pue de à 3 km là, j'aurai une course poursuite. Et. Je peux éteindre la lumière. Par contre, je vais me chier dessus. Du mec, alors que je connais. Ah on a pas une pile de là, pas une pile de merde qui se creuse là. Écoute, alors non, par contre, je suis pas sûr, mais retiens bien qu'ici, il y a un truc pour se cacher. À quoi? Retiens bien qu'ici on peut se cacher. Parce que. Ah oui, tu veux dire les trucs ici. Comme ça. Oui, tu dis ça comme ça, oui. Ouais. Oui. Absolue. En même temps, c'est des casiers pour se cacher, tu penses bien qu'il va se passer quelque chose. Ou pas, mais Tiens donc quoique... Étrangement, le scénario m'a placé des casiers ici. Mais qu'est-ce que c'est étrange. Je suis en train de chier dessus. Ah, les level designers ont posé des casiers. Tiens donc. Bah là, tu vois, je vais aller vers là-bas. Je vais me faire courser sa mère. Je vais paniquer. En tout cas, le tableau est très marrant. C'est des casiers ici aussi. Là. Ugh!
J'adore, je te vois tellement comme ça. Don't kiss me, senpai. Bonjour. Bonjour, c'est Natacha de la compta. Il me voit à travers la vitre ou c'est buggé? Non, t'inquiète, non, ça va pas. Non, lui il est tranquille. Natacha de la compta. Non, parce que là, clairement, il est très clairement menaçant. Là, je dis ça, je dis rien. Vous avez réservé? Non, mais si, mais ici, mais voilà, il me fixe du regard. Ouais, mais t'inquiète. Mais toi, il a déjà attaqué. Ouais, non, mais gars. N'approche pas non plus, hein. J'ai pas dit qu'il fallait que tu le colles et que tu fasses coller serré, hein. J'ai rien vu. Ah, il a massacré le bébé aussi. Oh, bah, il s'appelle Bébé, tu le connais pas, tu sais pas qui c'est. Attends, alors, je sais pas, je sais qu'il peut observer, c'est pas un truc qui traîne ici. C'est pas un 2-6, ça. Ah non, c'est juste un plateau. Il a pris cher. Oh, il a pris salement cher. Bon, vu la mare de sang qui est en bas. Ah, il s'est fait retourner. Ah ouais, il a matraqué tout. Ah ouais. Je vous laisse dans votre monde. Il l'a matraqué. Pardon. À mon avis, non, je vais pas la faire parce que celle-là, elle est hard. Alors. Oh putain, il va se passer un truc, je sens. J'en étais sûr. Mais putain, mais cours, imbécile! Ta mère. Sprint, motherfucker, sprint, motherfucker. Je rêve ou j'ai entendu une putain de perceuse là? Ah non, c'est le voisin! Ah non, c'est le voisin! C'est le voisin qui fait des travaux! J'allais dire quoi? J'ai vraiment réfléchi sur le fait qu'il y a une personne. Je t'avoue que je me suis dessus là. Alors. Sors. Attends, sors. Quoi? Sors et cours. Cours. One for your life. Bah là où il était avant. Oui, pas de fermer la porte derrière toi. Par contre, c'est ce qui me stresse le plus, c'est quand tu te retournes par la porte, faut que tu sors réflexe. Et ferme. Y'a pas de la droite, la droite! Et cache-toi avant d'activer, vas-y, cache-toi, on fera après l'activation. Oh, j'ai fait stressé là, c'est la porte à gauche, à droite. Arrête! Mais mec, c'est bon, avant la porte est à droite, maintenant elle est à gauche, putain, niquez-vous quoi! Il n'arrive pas! Je lui ferme mon épée! Moi aussi! Si je meurs, j'ai fini une vidéo seule, hein! Non, ah non! Meurs pas! Meurs pas, s'il te plaît! Bibou, reste avec Bibou, moi! Ah, quand ça t'arrange, connard! Oh. Ah, je te jure, si tu te barres en plein milieu, moi je ferme le jeu, je l'éteins, j'en ai la foutre! Allez! Alors. Ah, déjà, tu peux pas rentrer parce que j'ai pris tes clés de voiture, donc tu peux pas. Non, elles sont à côté, T'as vu? Mec, s'il te plaît, J'ai pris tes clés! Tu veux plus aller avec la... T'es un bâton, quoi. Moi aussi. T'es un stick. Bon, là, je pense que je peux sortir. Il a cassé la porte. Oh. Ok. Ça, clairement, ça va foutre la merde. Tu peux l'activer? J'étais toi, j'attendais pas trop parce que je sais pas ce qu'il fait. Ah non, c'est bon, il est parti. Je sais où il est allé. Follow the Lord. Ok. Ouais, vas-y. Tu crois qu'il y a encore? Alors, je sais pas s'il est revenu, je sais pas, mais en fait, il a ouvert la porte ici. Alors, par contre. Non, mais vas-y. Non, mais attends, mais il y a une porte là qui se fait défoncer là. Ah oui, il est mort en fait. Ah, ok. Mais il va pas non plus. Ah, c'est peut-être l'autre. Ouais, que. Quoi? Attends, parce qu'il a changé d'arme là ou? Attends, non, c'était l'autre qui t'attaquait pas en fait, du coup. Mais attends, il est où l'autre? Il m'attaque ou pas? Non, lui il est. Du moins pas maintenant, mais il est où l'autre? Bah d'un côté ça me rassure mais en même temps pas trop de cette fois savoir où est-ce qu'il est. Fais quand même gaffe à toi, hein. Passe. Ah y'a quelque chose, y'a une pile. Vraiment on ne traîne pas. Et par là j'entends casse-toi. Parce que je me rappelle, je sais pas du tout ce qui peut se passer Ah bonjour, bonjour, ouais, oubla, oubla, oubla. Y'a où l'autre? Oh merde, il est là-bas. Y'a où l'autre? Vas-y, ne traîne pas, perds pas de temps. De toute façon il faut que t'ailles à gauche. Normal. Ziou. ASMR. Un extincteur. Oui, hein? Où c'est un extincteur? Où ouais. Ça? Oh putain, mais ça je le prends, je lui balance dans la gueule. Ah ouais. Direct. Ouais. Non, c'est pas ouais. On a donné sa chance. Hein? Ah, c'est les deux potes de tout. Waouh! Y'a deux Igor. C'est des nudes. Non mais je te jure avec la. Alors, Igor de Sgore.
Non mais en vrai je te jure mais qui ressemble bizarrement, il me fait penser à Igor de dans Zelda Ocarina of Time, c'est trop bizarre. J'ai un peu joué à Ocarina of Time, mais je sais pas si j'ai ressemblé à Igor. Oula, c'est pas un peu un mauvais bail ça? Il est incroyable, regarde, c'est un gymnaste de compétition. Non mais je voulais pas remonter là. Oh. Il a dû tomber. Alors bon, peut-être il est tombé quand même. Je sais pas si j'ai du coup en plus. Ouais. J'ai pas envie d'essayer, je t'avoue. Mais je crois que c'est bon. Bon là c'est fermé. Oh putain, j'espère que le mec avec les travaux à côté il s'entend pas trop dans le micro parce que déjà que ton micro lui est bien sensible comme il faut là. Bah ils sont où? Où c'était ou pas? Oh, il y a un truc. Ah, un document. Alors, que dit le document? Ah, alors maintenance des portes de purge est la cruciale pour la sécurité du projet Voldien. Reportez-vous au manuel de maintenance, ou demandez conseil à un supervisor de besoin. Ouais, bon, ça c'est un peu osef. Sinon, ça parle beaucoup du Wall Rider ici, hein. Ah, bizarrement, je me demande bien ce qui se passe, hein. Moi je sais. Une pile. Eh, mine de, j'ai 7 piles. Ouais, t'es bien, hein. T'as pris la pile. Ah, j'ai 7 piles. Je suis bien là. Heureusement qu'une certaine personne est ici pour donner un coup de main. Ah mais clairement, moi je serais déjà mort depuis longtemps, hein, et j'ai envie de finir un jeu vite fait, comme ça s'est fait. Comme ça je sais plus en état de stress. C'est carrossé. C'est bien stressé. Ouais. Bon par contre je t'avoue que ça me rassure pas trop de devoir suivre du sang pour sortir. Rien ici. Ah mais non. Tout de suite les grands mots. Oh putain. T'as quand même voulu essayer, tu sais. Putain. C'est beau l'espoir. Ouais, je sais, c'est beau l'espoir. Est-ce qu'on peut aller par là ou pas? Ah non, il veut pas ouvrir. Ok. Il veut pas. Bon, où est-ce qu'il pourrait y avoir? Ah, il faut réellement que j'aille là. Non. Faut pas garder. C'est efficace contre les mal de crâne. Ah bah moi là c'est ça, j'ai plus mal au crâne. Ah je... Oh le barrage. Parce que là c'est sûr. Alors en fait le mec... Attends, mais c'était le winter avant ou c'est ça? Pardon. T'as les mecs qui courent comme des poules. Je crois que... J'ai un doute, c'était à... Belle épaule des mouchards par hasard. Ouais mais elle est à côté donc évite de te lever sinon ça va flinguer le... Merde, ça va flinguer le micro là. Je vais me lever doucement. C'est ici que je suis mort pendant la partie que j'ai voulu tenter en psychose, je suis trop dingue. Ah bon? Ouais. Donc ça veut dire qu'il y aura clairement mauvais bail. Ça va. Sortez par les touches. Je vais raconter ça, là, c'est bon. Voilà, vous mieux. C'était pour draguer. Oh, ah, c'est ouvert. Passe par là. Il a disparu. Non, je suis juste allé par la fenêtre. Attends, monte pas encore. Je voulais pas te le dire. Vas-y, continue. On a continué d'avancer. Ah, y'a encore une fenêtre arrière, t'as. Je voulais pas te le dire. Mais là, quand je t'ai vu regarder sans regarder devant toi, je me suis dit, oh putain, non, qu'est-ce qui va se passer? C'est ouvert, ça. Ah, je crois que ici, c'est ouvert. Et moi, je me suis arrêté à l'autre et je suis mort à cause de ça. J'avais trop le seum. Par contre, traîne pas. Oula, j'ai fait une carte. Ah, lève-toi doucement, mec. Je gère, Mireille. Tu ouais, pète juste pas parce que je suis derrière toi. Oh. Si tu pètes, je meurs. Tu as mon nez a pris cher à cause de quelqu'un de mon frère. Alors, tes affaires personnelles, lui, nous regarde pas. Des chiottes qui puent horriblement à la maison. Écoute, c'est une chaîne de beauf chez toi donc. Attends, est-ce que je me dirige mon endroit là? C'est ouvert ici? Ouais, c'est ouvert ici. T'as vu ça, j'attaque ta chaîne, c'est pour créer un drama sur le YouTube game. L'invité de Starbe Prod se moque de la chaîne et les insultes de beauf. Ça tourne mal, explication. Oh, le truc bien putaclic là, comme ouais. Il faut. Puis après, un jour, vous faites une vidéo en mode j'arrête YouTube. Faudrait déjà que le truc YouTube commence vraiment à me dire. Ah, y'a un truc à activer ici. Attends, y'a pas un autre truc à ramasser là? Attends, déjà, attends, est-ce qu'il y a un casier pour se cacher au cas où? C'est un casier, ça? Non, c'est une porte. Je suis con.
Bon bah tant pis, hein. Je vais mourir. Hein. Ah bon bah. Oh non, mais moi. Je bug parce que. Il y a Chris qui est passé. Non, mais moi je regarde pas derrière. Trop deg. Mais tu regardes. Je peux sortir par là. Je pense. Traîne pas par contre, Daddy. Je sais plus ce que c'est. C'est pas là. Cours. Cours. Et t'as un truc, ça va être un truc horrible. Cours. T'arrêtes pas. Non. Ah. Oh. Ça a marché. Ça a marché. Oh putain, ça a explosé. Cours. Mais. J'ai mal. Ça fait mal. Ah non, ça va, on est tombé sur un matelas. C'est la deuxième fois qu'il se fait projeter par une fenêtre. On est tombé sur un matelas, assez consistant, on va pas se le cacher. Ah c'est... Ouais. Ah quand je t'avoue que j'ai cru que j'allais mourir là, avec. Heureusement que j'ai réussi à... Heureusement que... Trouve un autre chemin maintenant en douche. Ah yes. Moi je pense que le truc le plus stressant, c'est... Ah, je veux bien, je veux bien. On recharge effectivement, parce que... Et par contre, j'étais peur, je serais pas trop au milieu. Je recharge déjà. Je ne vois rien. J'adore parce que t'es vraiment à l'aise alors que... Non. Ah, maintenant c'est ouvert, tiens. Attends, mais un autre chemin qui mène de gauche. Loose fils de. Moi je l'ai vu. Tu l'as vu? Ah, il est à l'étage. Oh putain! Oh bah je suis mort. Ah! Non, moi, mais bon! Mais bon! Mais il me bloque! Il me bloque! Il m'a keblo, mon ref. Il m'a keblo. J'avais vu, mais je l'ai regardé, je me suis dit ça va être dommage. Oh. Ça va être dur, on recommence pas loin. Ah, ta première mort. Oui, bah du coup, je sais pas où passer pour. En vrai, c'est là-bas. Pas dessus, il y a pas de côté. Non, pas tout de suite là, comme ça. Attends. Ah. En vrai, attends, là une fois, ok, tu passes pas là où. Vas-y, laisse le mien. Bon, j'ai pas l'impression qu'il court. Non, en fait, elle n'a pas comme ça. Oui, il court, bien sûr. Ok, il est capté. Tourne-toi, vas-y, cours que t'as grand temps. Vite, fuis. Ah, non, pas là. Je suis pas une trompée, moi aussi. Continue de courir. T'arrêtes pas. À droite. When, motherfucker, when. Hop là. À gauche. À gauche. Heureusement que t'es là pour m'indiquer. Je savais plus, on va... Oh putain, ça serait ça, là, tu es pour sûr. Ensuite, par où? Par là. Putain, ouvre toi. Ah, gros, gros. Oh, ta mère. Ah, il poursuit plus de casse. Ah bon? Ah. Putain, fils de. Sans vouloir être méchant envers son physique, il ne passait pas vraiment. C'est une nouvelle zone, ça? Ah, tu peux ouvrir. Ah, attends, déjà, est-ce que là c'est fermé ou quoi? Ouais, bon, j'y vais dans le noir. Ouais, bon, c'est fermé, ok. Si on était dans un autre jeu. Soit, on a plusieurs, c'est une zone de boss. C'est, j'avoue. Zone de boss. Parce que c'est grand, c'est... Peut-être qu'il y en a qui tombe au milieu, tu sais. Boum. Bro, don't follow me, bro. Don't follow me. C'est un abonné un petit peu trop... Abonne-toi. Abonne-toi, je rends. Follow for follow. Viens. Je crois qu'il faut que je monte par là, je crois. Je crois bien. J'ai l'impression, ouais. Nous croyons que nous pouvons le faire. Nous croyons pour le coup, nous pouvons le faire. Non, c'est tout. Le français, je l'ai pas tellement bien. Oh, le français, bonjour. Pourquoi tu me sautes pas de ce coup? Et il ne saute dessus. Oula, 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 au boulot. Double W. KO. Ladies and gentlemen, John Cena, point, point, point. Ah oh mais non, par contre, ça je vais... Non, mais... Je vais me faire palper les seins, mec, arrête. Regarde, j'ai passé tout, je vais me faire palper, regarde. Ah, il me fout la paix. Oh, c'est bizarre, ça.
Et tu sais, tu juges les gens à leur physique, c'est pas bien. Pour sauter depuis la corniche. Ah, ok. Ouais, j'ai pas cru qu'il allait sauter. Moi aussi. Ah, y'a quelque chose ici. Je veux dire que les documents aussi, ils ressortent bien sans nous. Tu sais qu'on te voit. Les bouts, tu as peur? En fait, c'est triste. Alors, journal. Oh putain, le. Alors, rubrique généalogique du blablabla. Alors, Rudolf est mort à l'âge de 90 ans le 28 juillet 2009, alors qu'il continue à exercer les activités qui lui passionnaient de temps. Né en 1918 à Munich, en Allemagne, il a acquis la célébrité dans les milieux des mathématiques en co-sciences et un article avec le pionnier de l'informatique qui était Alan Turing. Putain, mec, c'est un vrai, je crois, Alan Turing, je crois. Oui, oui! Ouais, Alan Turing, ça me dit. Oui. C'est pas un vrai scientifique, justement, informatique, je sais pas quoi là? Il existe, mais je sais plus. Enfin, je sais pas qui. Après une période obscure pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a émigré aux États-Unis en 1949 avec un visa du département d'État. Après plusieurs décennies de travail dans les services de recherche étatiques, il y a des mots, des fois, je bute, tellement ils sont bizarres, du laboratoire national de Los Alamos, Nouveau-Mexique. Le docteur Wernick a pris sa retraite dans cette région pour s'adonner à la photographie de paysages et s'occuper de ses chats. Ok. Il s'est finalement installé dans le Colorado à la fin du siècle dernier pour mettre son talent au service d'une œuvre caritative sous les auspices de... Ah ah. Ok. Cette société a déclaré dans un communiqué de presse regretter la disparition du docteur Wernick qu'elle a qualifié d'un homme aux idiots généreux empreint d'une grande humanité. Il n'avait plus aucune famille. Donc, le docteur Rudolf J. Wernicker, Wernick, je sais pas quoi comment on le dit là, il a participé à la mise en place de cette merde. Oh, ça va. C'est relatif, c'est pas tant le bordel que ça. D'ailleurs, les gens, ils ont l'air cool. Ouais, ça va, c'est une zone pépouse, t'inquiète, mon rôle. Caméra, s'il te plaît, quand même, abuse pas. Bonjour. Il est en train de tourner un clip de musique. Il se colle et il chante en même temps, c'est... Une pile. Yay. J'ai 8 piles. Le bien de, là. Le genre de clip, bien. Genre de clip bad boy, tu sais. Bad boys. La dernière quatre chose. En tout cas, c'est bien dégueulasse. Ah, c'est... Quoi? Ah putain, mais il est là, lui. Mais wesh. Ah. Par contre, parce qu'il fallait que tu te... Qu'est-ce que tu fais? Mais attends, il m'a agressé ce fils de blanc. Ah oui, mais... Mais t'aurais pu y aller, fallait y aller doucement, fallait que tu te colles. Qu'est-ce que tu veux, toi? Oh mais attends, mais là j'ai paniqué, là je me suis fait agresser mon gars, mais là j'ai bugué. Mais j'ai descendu complet parce que j'ai paniqué. Là je me suis fait agra. Non mais c'est ouvert. Je l'ai même pas capté d'où est-ce qu'il sortait ce bâtard en plus. Moi non plus, mais je pense que c'est assez vite, à mon avis, ça devait être assez vite.